Donc aux États-Unis, en fait, il y a 4 ans, tu as la freshman year, comme ils appellent, sophomore year, junior year and senior year. Il y a plusieurs solutions, ou bien tu te fais transférer direct à l'unif que tu veux et là tu as 4 ans, tu fais ta freshman, sophomore, junior and senior year dans la même unif, ou alors ce que tu fais c'est que tu divises les 4 ans que tu as en 2 ans de JUCO et 2 ans à l'unif. C'est bien parce que si tu joues bien en JUCO, tu vas avoir de meilleures offres pour aller en D1. Par contre, si dans ta dernière année de JUCO, tu joues pas bien ou que tu as un petit problème, un petit souci, une petite blessure, ton recruitment va être un peu à la baisse. Donc c'est ça l'importance de la deuxième année de JUCO, c'est de jouer le mieux que tu peux. Parce que bon, après ça, il te reste plus que 2 ans à l'UNIF. Et 2 ans, c'est long et en même temps, c'est très peu, très peu. Junior College, c'est un esprit très particulier. Je ne le savais pas quand j'étais là-bas. Je l'ai appris, pas par la force des choses, mais je l'ai appris. C'est très physique. Et puis, comme je l'ai expliqué, c'est 2 ans. Donc, tout le monde veut quoi ? Veut jouer, veut marquer, veut avoir son temps de jeu. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'au bout des 2 ans, tu as une signature pour aller dans une D1, ce que tout le monde veut. Et donc, voilà, c'est la guerre. Donc, généralement, le coach a 16 joueurs, 16 voire 18 joueurs. Et tout le monde veut sa place. Donc voilà, donc c'est celui-là qui se bat. Et franchement, j'ai appris à jouer physique là-bas. Je croyais que je jouais ici déjà d'une manière assez physique. Quand j'étais là-bas, j'ai compris ce que c'était le jeu physique. D'ailleurs, une petite histoire. Premier entraînement, j'arrive là en chill, évidemment. J'arrive là, je me suis fait transférer. Je me dis ça va, le coach m'aimait bien. Donc ça allait. Et puis l'entraînement commence. Première balle, je dis ah, je vais pénétrer. C'est mon jeu, je pénètre. Je vais à l'anneau, 2 gars qui montent, boum, ma balle dans les tribunes là en haut, moi par terre avec 2 gars sur moi, je regarde le coach pour vous dire qu'il y a une faute. Il arrête le truc, il dit écoute, ici il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. La balle est dans les tribunes, je veux voir 10 gars qui sautent dans les tribunes pour avoir la balle et vous continuez à jouer. Donc à partir de ce moment-là, bon, j'étais forcé de jouer et de m'adapter, quoi. C'est ça le plus dur, c'est le temps que tu dois… Parce qu'ici en Belgique, dès que tu joues un peu trop physique, boum, c'est la faute et il protège un peu le joueur. Là-bas, il laisse la place à l'athlétique et au plus tu es athlétique, et ben, au plus ils vont te laisser jouer en fait.